tous les matériels sont équipés, que ce soit le transbordeur ou les moissonneuses à chenilles, de façon à limiter les compactages aussi et en conditions un petit peu plus difficiles de préserver les structures de sol. Bah, le transbordeur, c'est pas compliqué, ça doit être le troisième ou quatrième transbordeur. Ça fait plus de 15 ans qu'on tourne avec des transbordeurs. Un transbordeur, c'est 20% du débit de la machine. C'est-à-dire que si vous arrêtez toujours vider, vous avez beau avoir une grosse machine, vous pouvez vous contenter d'une plus petite puisque vous perdez déjà 20% du débit de la machine. Une journée en beau parcellaire, deux machines comme ça, aujourd'hui on arrive à couper 100 hectares par jour. Bah, la toute nouveauté, c'est la coupe râpeur, bien sûr, la coupe à tapis, mais 100% tapis puisqu'on n'a plus de vis d'alimentation. Donc on a gagné en productivité puisqu'on on travaille toujours à la même vitesse et on a gagné 1,20 m de largeur de coupe. Sa simplicité, puisqu'on n'a plus de grosses vis en mouvement avec lesquelles on a connu plusieurs déboires. On a une alimentation constante, quoi. On n'a plus ces à-coups de vis sans fin qui faisaient des paquets au rotor. Là, on a vraiment une alimentation qui est parfaite et continue. C'est le partage du GPS entre les machines, où les machines peuvent correspondre et échanger les lignes de façon à être toujours ensemble. Et ce qu'on apprécie fortement, surtout dû à la largeur de coupe, c'est le suivi aussi et la prise en main du transbordeur par la machine. La première machine fait son point A et B comme pour faire une toute ligne droite. Et ensuite, on transfère directement cette ligne à l'autre machine. Tout simplement par la console avec une touche partage de ligne. C'est aussi simple que ça paraît, mais ça évite d'appeler, ça évite à chaque chauffeur de faire des lignes différentes. Là, on travaille toujours sur la même ligne. Ce qui permet aux machines d'être toujours constamment l'une derrière l'autre. C'est moins de stress et on arrive dans la parcelle, la machine reconnaît sa parcelle, on connaît tout de suite sa surface, on peut faire nos rendements en instantané. C'est du quotidien qu'on a constamment, mais je dirais en temps réel. Avant, on rentrait le soir, on faisait les bons pesées, on regardait ce qu'on avait fait. Là, on l'a en instantané. Déjà, on fait une formation avant moisson chez le concessionnaire. Et puis après, il faut dire que la console, c'est une console tactile, très simple d'utilisation, conviviale. Et donc, avec une bonne formation des chauffeurs, ça se passe très bien. C'est des consoles qu'on retrouve quand même aussi dans les tracteurs, dans les RT. C'est quand même des choses qui s'utilisent aujourd'hui couramment, je dirais. Le seul problème qu'on a, c'est quand c'est soit en panne, ce qui n'est pas encore arrivé, ou quand on a une perte du signal, par exemple. Et là, c'est vrai que ça nous manque énormément. Je dirais que c'est un partenariat. C'est un concessionnaire. C'est aussi la marque qu'on connaissait. C'est aussi l'expérience depuis 3 ans maintenant qu'on est dans la marque, avec des gens qui ont su être à notre écoute, qui ont pris en considération notre demande et qui ont fait évoluer les matériels en fonction des besoins. D'autant plus important que c'est même indispensable, c'est la première chose qu'on regarde avant la marque, c'est d'abord d'avoir des hommes et des équipes compétentes et réactives dans un délai de temps le plus court possible. Bah, plutôt bien côté météorologique, puisqu'on n'a jamais eu d'interruption ni de coupure, ni de mauvais temps. Très bonne qualité, autant en blé tendre qu'en blé dur, qu'en orge. Des protéines. Alors après, des bémols sur les rendements, on a de tout, du très bon et du moyennement bon. Mais ça restera une année relativement satisfaisante.